on a un tel patrimoine en France, on le voit ici aujourd'hui avec tous les exposants, que ce soit des liqueurs, des ratafias, des eaux de vie et autres, que forcément le côté un peu chauvin fait qu'on a envie de mettre en avant notre patrimoine, envie de mettre en avant nos producteurs français et de les aider. Et surtout quand on a des beaux produits, forcément, c'est pas juste mettre en avant le français pour le français, mais c'est mettre en avant la qualité des produits avant tout. Beaucoup de gens de ma génération qui ont repris des marques, créé des marques et avec qui il y a une très bonne entente finalement puisqu'on arrive des fois à l'étranger à se rencontrer, à Cognac moins bizarrement et là on se retrouve sur des salons tels qu'ici. Donc ouais, c'est plutôt une bonne entente et chacun fait ses affaires évidemment mais chacun se donne quelques petits conseils, comment tu fais ci, comment tu fais ça, c'est intéressant. Santé. On est vraiment dans notre univers ici, que des maisons françaises, des merveilleux produits, des gens vraiment sympathiques. On y rencontre des amis de longue date. C'est vrai que la maison Boullier est restée familiale depuis 1874. On est entouré de produits magnifiques. On essaie de faire de notre mieux pour en fabriquer aussi. La crème de cassis de Dijon, évidemment, mais aussi plein d'autres produits. Où on en a profité pour faire découvrir notre gin safran qui est maintenant dans 40 pays. La France accueille le gin aujourd'hui avec plaisir et là, c'est vraiment un beau moment de partage et de belles rencontres en tout cas. À chaque fois, c'est une explosion, à chaque fois, c'est un émerveillement que de voir ces nouveautés qui sortent de toutes les régions de France. Non seulement c'est un plaisir, c'est vrai, régional, un plaisir national, mais je pense que c'est un événement mondial. Quintessence est en train de prendre une dimension hors du commun dans le monde des spiritueux. Tant je parlais de la région avec Spirits Valley, évidemment, que nous nous efforçons de dynamiser, mais le rayonnement du Made in France, de qualité, d'excellence, ça, c'est un grand plaisir.